10% de dons de sang en moins en Indre-et-Loire depuis la rentrée. C'est un constat que fait l'établissement français du sang qui appelle les donneurs à se mobiliser pour maintenir les stocks. Il n'y a pas vraiment d'explication à cette baisse du nombre de donneurs. Un appel aux dons de sang est adressé plus précisément aux personnes de groupe O, les donneurs universels. Il s'agit du sang le plus utilisé pour les transfusions. Alors pour donner son sang à Tours par exemple, eh bien rendez-vous à l'hôpital Bretonneau tous les jours ou mardi prochain à l'hôtel de ville de Tours le matin de 9h à 13h.